Balandi ya Congo Live Télévision, tu kutani lisusu lelo pour que tu partages information, tu partages l'actualité ou ezali à la une dans la République démocratique du Congo et surtout ko beta masolo ou etali sécurité, vie politique et économique ya mboka na biso. To ebite basango bactualité ezali moi ebelé mais tozali ko vanda nanu na plan sécuritaire lelo oyo nomination ya sika ya général oyo koti na EAC East African Community. Alors est-ce que tozali ko penser est-ce que paix et kozonga na République démocratique du Congo na ngambo ya est to yepe ko démissionner na lokola mususu oti ko démissionner le commandant général Nyaga donc tozali ko continuer to beta masolo wana nyoso to komeka un peu ko parler sur l'union sacrée après la sortie officielle ya union sacrée et est-ce que union sacrée ezali na vie mulaite ezali na vie mulaite to komeka un peu ko vanda na kati wana et bongo to kosuka na biso na débat où ils allaient sur la toile Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, est-ce que c'est vrai batou chacun 120 000 dollars chacun tokoye bango na kati ya émission ya lelo. Alors nazali na sengo ya koyamba mwana mboka oya ye to partager na ye bactualité onyo sali koleka na kati ya République démocratique du Congo na kopesa ye mbote et puis ako se présenter na bino boye ba ye mbote mwana mboka. Mbote, monsieur le journaliste. Et c'est moi qui ai eu un plateau à Congo Live Télévision. Je m'appelle Asipel, mon collègue Soso, une émission à Bissot, na Congo Live. Voilà, on a eu un plateau à Congo Live, on a eu un plateau à Congo Live, et on a eu un plateau à et puis on a eu un plateau à Congo Live. Et on a eu un plateau à travers Congo Live, le sénateur Marcel, on a eu un moko, il y a un Congolais, on a partagé un souci à Mboka Nabiso, l'actualité de l'heure, tout ça, on a analysé pour éclairer un peu l'opinion. Bah, il y a des informations en Mboka Nabiso. Voilà, et les avant de aborder le sujet Nabiso, on a annoncé. Information nini to basango nini oye nango pona otia na place publique population congolaise nyonso bayokayo. En tout cas, la seule information qui est préoccupée, c'est que le massacre est encore de trop. Na Irumu, au Islam, na Irumu, na Mombasa, na Ituri, kuna par les ADF qui continuent encore à condamner la population congolaise encore de plus. Parce que la population congolaise a parti est de Koufi Mingi. Plus de 12 millions de morts. Mais ces mêmes mouvements rebelles, ADF, ils ont continué toujours à condamner la famille kuna, ils ont toujours déploré un peu. Et le Kouana. Parce que si on a bien, les ADF, ils ont un groupe armé pro-Ouganda. Mais tout le monde, comment est-ce qu'il va opérer dans le Congo? Nani oyo a financé Kabango? Nani oyo a armé Kabango? Parce qu'ils ont inconcevable. Un groupe oye, qui est en Kabango, Ouganda, au lieu d'attaquer le gouvernement en place de Ouganda, mais Bango va opérer dans le Congo. Mais au moment, parce que déjà, ils ont déjà tant que nous nani à permettre à Kabango la munition, mais déjà RDC na armée ougandaise, tous en abrassage, tous en bounissa bandeko ya Rwanda. Donc, il est possible que bandeko na Bango, tous en abrassage, Bango ne va pas permettre Bango munition. C'est ce que moi je me pose. Il y a beaucoup de groupes étrangers qui opèrent sur le sol congolais. Notamment les ADF Nalu, où ils allaient pro-Ouganda, tous en abat Mbororo, où ils allaient à partir à Sud-Soudan, tous en abat Red Tabala, où ils allaient à Burundi. Mais comment tous ces groupes armés, et qui m'a soi-disant beaucoup en abat, ben non, vous savez, gouvernement en place, ils sont venus comme des réfugiés au Congo, mais ils opèrent encore contre la population congolaise. Ils allaient paradoxe, parce que nous avons vu les anciens militaires de Mobutu Bakima à Brazzaville. Jamais tout le monde va causer problème à Brazzaville. Mais pourquoi seulement ces groupes-là qui ont fui leur pays, soi-disant que Kimi Baba va gouvernement à Bango, mais ils opèrent maintenant, ils sont actifs sur le sol congolais. En tuant la population congolaise. Ils ont le paradoxe. Moi, je pense que le gouvernement congolais, il faut mettre un peu que Fungola Missou par rapport à un mouvement rebelle ou à un autre mouvement. Voilà, déjà, tu as dit comment ils allaient couper sa passe parce que est-ce que tu as dit comment tout la question wana parce que jusqu'à présent ils allaient dans le territoire Moussous Oyo M23 ici quoi ils allaient dans nous ils allaient dans le territoire Moussous P M23 ici à libérer. Alors est-ce que M23 a recabola administration na est et RDC na biso na gouvernement na biso avec la lire où on vont les choses. Je comprends que le M23 a joué double jeu. D'une part, il avait accepté Yako Kota à respecter la feuille de route qui a été signée à Luanda. Il a libéré le territoire qui a été conquis par les M23. De l'autre côté, les M23 ont renforcé ma position. Qu'est-ce qui se cache derrière le renforcement? Vous comprendrez que l'agenda M23 est toujours
bundisa Congo ko continuer toujours avec ba sale besoin naye ya ko piller ba richesse à Congo. Mais to komona que depuis parce que depuis l'arrivée à président Macron ezalaki bongo dans 48 heures, c'était un certain mardi que président Macron le baki que cesser les faits, il faut ça les mais soit cesser les faits salamité communauté internationale ba kozo ba mesure sur Rwanda, mais jusqu'à présent il s'est passé peut-être 2-3 mois yango jusqu'à présent Rwanda nanu azuata mesure et il y a qu'on sanctionné était jusqu'à présent. Est-ce que la communauté internationale va aller qu'on saboter RDC tout biso moto sengel tout zona tout makamu na biso na maboko. Monsieur les journalistes, vous devez comprendre que la communauté internationale va aller complice na makambo le Kanaka sa Congo. Na Rwanda, il y a eu plus ou moins 800 000 morts. Ba créa génocide, mais au Congo il y a plus de 12 millions de morts. Jusqu'à là, silence radio. Notre président a manifesté une bonne volonté. Il a sillonné de par le monde, de par sa diplomatie, pour n'accoutaler sa noir sur blanc, avec des preuves à l'appui, que le Congo est agressé par le Rwanda. Jusqu'à l'heure actuelle, le Rwanda n'a jamais été sanctionné. Allez-y comprendre. On a vu un balai diplomatique qui s'est mis dans Boka Oyo. Président Macron est dans Boka Oyo. L'ancien président français. Nicolas Sarkozy, l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, basali balai diplomatique awa. Mais est-ce que d'ailleurs tu es capable d'aller na bongo sala tourisme na République démocratique du Congo au lieu à quoi apporter solution na pas si haut population zali comme on en a est na yamboka na biso. Nana lobaka solution à mamba Congo et où t'as biso mamba congolais. Parce que le problème à Congo c'est un complot international. Cela date depuis de 4 décennies. Nana lobango na ba mission mingi na lekaka. C'est complot et cela qui est dirigé par les grandes puissances. Notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique. Donc voilà tout ce qu'ils font au Congo. Les Rwandais ont un simple porteur, il y a un projet de ça et de ça. Donc Kagame n'est qu'une marionnette, il y a une grande puissance pour matérialiser le complot, pour radicaliser le Congo. C'est ça le complot. Mais moi, je suis là, le RDC, tout ça puissamment dans le minerai, tout ça dans le minerai stratégique, nous sommes la communauté internationale, tout ça dans le monde. Ce qui est le Kagame, c'est une marionnette de la communauté internationale. Pourquoi pas, Bissot peut-être frapper la communauté internationale, peut-être qu'on tient un prix élevé dans le minerai, parce que Baza toujours a besoin de minerai. C'était ça la démarche. Le président de la République, il a sillonné de par le monde pour avoir l'accès qui entre le Rwanda et le Congo, c'est le Congo qui est le mieux offrant. Parce que le Congo dispose des minéraux Oyo, Kagamaza en côté. Comment est-ce que Bozo Kende et pas Moutouazan a minéré au détriment de Moutouazan de Téliba minéré Oyo? C'est un paradoxe. Parce que le Rwanda a sa orte, a sa cobalt, a Iba en Congo. Mais le président est allé vous proposer. À Tcheba offre, Boria pour exploiter les minéraux dans le Congo. Mais Boria pour passer par le Rwanda. Qu'est-ce qui se cache derrière le Rwanda? Voilà pourquoi on a vu ça. Pourquoi mes alliés simples? Pourquoi mes alliés qui, la première mission, mes alliés, c'est de balkaniser le Congo. C'est ça le problème. Le président avait compris ces jeux. Lorsqu'il avait réussi à diplomate, Namboka en 2020, il a dit clair, noir sur blanc. Il a dit le problème à Congo, c'est le problème de Moko. Il y a pillage à Barissou, il y a minerai à Congo. Et puis, deuxièmement, il y a Rwanda qui exerce hégémonie dans le Congo. C'est ça. Ils allaient accompagnés par les grandes puissances. Parce que le Rwanda ne dispose pas d'une armée forte par rapport au FARDC. Mais d'où Rwanda a tiré le ravitaillement? D'où Rwanda a tiré l'armement par-ci, par-là? C'est par ces grandes puissances. Donc, parce que le complot étant tellement international, Mobutu l'avait si bien dit, avant qu'il dit, après moi c'est le délige, il faisait allusion à ces complots. Lumumba, au lendemain, il y a l'indépendance Nabiso, il avait bien si dit, à nous dire que le Congo est sous menace à la balkanisation. C'est ça le complot, mon frère. Donc, tout ce qu'ils font là, ils allaient dans le théâtre. Bah, ça. Mais ce qui est allé bientôt, Christophe Mbosso, dans la sortie officielle de l'Union Sacrée, il a dit qu'en 1884, Rwanda n'existait pas. Rwanda est allé quitter. Rwanda est allé partir à RDC. Alors, le président Paul Kagame a sali point de presse. Le président Paul Kagame a sali point de presse. Il a dit que Mabele oyo ndambu ya Rwanda est allé dans la République démocratique du Congo. Nani a sali koloba vérité. Entre Mboka na biso na Rwanda, nani a sali koyiba muninga. Mais s'il faut interroger l'histoire, moi, Mboso a raison. En 1885, nan. Quand on va faire le découpage d'Afrique, le Rwanda n'existait pas. D'ailleurs, pour votre information, parti à Gisenyi, Rubavu, ils sont partis congolais. Donc, parti occidental, il y a Rwanda et Outina Congo.
Ils allaient à Bissouba Congolais. C'est à nous de réclamer par contre Mabéle Nabissou na Rwanda. Si Kagame aujourd'hui a bimisé le Rwanda, parce que, et vous voyez maintenant noir sur blanc, que tout ce qu'il avançait comme Ali, comme raison, ils allaient juste à Alibi. Il a bimisé la vraie raison. Il y a Bitumba dans la Congo, ils allaient à Mabéle. C'est pourquoi je vous avais dit, ces complots datent depuis de 4 ou 5 décennies. Parce que pour les Occidentaux, il fallait balkaniser le Congo. Vous comprenez? Il y a un moment où il va imposer la guerre Rwanda. Sur les talibiens, depuis la guerre Rwanda et Banda, il y a 5 millions de déplacés. Alors, les 5 millions de déplacés, on a besoin de remplacer par qui? Par les Rwandais Tutsi. C'est ça la vérité. Kabila est revenu en 2009, le 23 mars. Il a signé les mêmes accords. Où ils ont signé que Congo est cédé une partie de la souveraineté dans le Rwanda. C'est clair que ça. Donc vous comprendrez que tous ceux qui sont en Luba, ils ont encore un alibi au Sana. Le Rwanda, avec Kagame, a bimi na kata karka banaye pour Batama. Autrefois, il disait que non, les M23, bazaba congolais. Autrefois, l'obi sous ba M23, bazo défendre ba intérêt ba minorité. Mais le loi moka l'obi na kata bene que non, bazo gamin ma bele. Donc, il a l'acquise maintenant, noir sur blanc, qui est les complots bitu ma babou misara Congo, ça contre, bazo ma bele à Congo. C'est ça la vérité. Mais ce qui bazo luka ma bele à Congo, le loi oyo, bazo bazo kote la bango, et sa communauté internationale. Est-ce que le loi oyo, RDC est kata diplomatie na communauté internationale, to RDC continue toujours diplomatie? Parce que le loi tozo mona que Rwanda le loi, déjà ba diplomatie et à RDC na Rwanda, et si est kata ni. Mais, solution nini pote. Et Zonga régulièrement dans la République démocratique du Congo, surtout dans la partie est et Mboka Nabiso. Notre chef de l'État a compris ces jeux. Aboué quoi ta diplomatie dans la grande puissance Wana. A compris une chose. Pour la contourner plan Wana, il faut d'abord mettre en condition notre armée. C'est ce qu'il fait. On a lancé qui appelle la mobilisation générale. Bah gêne bah côté en armée. Il a mis des moyens. C'est la première fois. Bah voter loi sur l'armée Nabiso. Bah, dépenser plus de 1 milliard de dollars. Parce que le chef a compris qu'il faut mettre des moyens dans l'armée Nabiso, il faut consommer le matériel ou les coquilles pour faire face à cette attaque à Rwanda. Il y a un moment sur le terrain. Parce que la stratégie, c'est la Kinini. Bah, pousser Tshisekedi, bah, quoi ça, bah, ville, bah, quoi, Matiba, bah, Zoua Goma, pour ne pas contraindre le gouvernement congolais à négocier avec les M23. Il y a un moment tellement cette stratégie a échoué sur le terrain. Les FARDC. Et réussir à contenir Basso à M23, il y a une stratégie qui a changé maintenant. Il y a un Kagame en perte à vitesse, a mis une vérité maintenant. Il y a un combat pour le Congo, et c'est un combat pour le Congo. Mais est-ce que les autorités colombiennes, parce que ceux qui étaient bah, investisseurs, ils ont dit que RDC, or, minerais stratégiques, ils ont dit uranium, pourquoi ils ont dit contourner, ils ont dit qu'ils ont dit Rwanda? Il y a une ambiguïté. Tous ces mafias internationaux, leur carte est allée moko. Balkaniser le Congo au profit de l'intérêt na bango. Na auto di sayo awa, ces complots datent depuis de 4 ou 5 décennies. Les États-Unis, ils ont été représentés par Bill Clinton, la France, par le président, l'ancien président, c'est quoi les noms m'échappent encore. L'Allemagne était représentée par Helmut Kohl, la Belgique par le roi Baudouin et son premier ministre, et puis la Grande-Bretagne par Madame Thatcher. C'est ça les complots. Il y a un complot maintenant dans la phase de matérialisation dans Yango. Imaginez-vous, messieurs les journalistes, les Congo, les lots, tu sais qu'ils ont lancé une offre d'appel pour exploiter les blocs pétroliers. À Bengi, une entreprise française, entre autres Elf et les autres, Babo y a un Congo, pourquoi? Pendant qu'ils ont exploité dans Katala Calbert, ils ont exploité dans Rwanda, pourquoi ils ont refusé de venir au Congo? C'est clair que ça. Parce que bah yébé le gros salam à Congo, vous comprenez? Père, nous sommes au cas que le Congo est mieux offrant par rapport au Rwanda. Mais pourquoi ils préfèrent le Rwanda? C'est parce qu'il y a un complot derrière cela. Bah tu sais qu'il les a tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire les Oyo pour que RDC à part qui m'a complot on a tout évidemment juste au global qui est au boy balkanisation. Mais à part que boy balkanisation, les Oyo bras de fer ni tout ça là autant que bah congolais tout l'acte la communauté internationale que RDC pays animbogo ya osaka na nangote. Premièrement, au terme global, il faut constater la jeunesse congolaise. Au bas on a quatre distractions. Seul le peuple peut contourner ces plans. Tu sais que du seul ne peut rien. Parce que nous devons comprendre que le premier héritage où nous avons fait ça, c'est Mabéle. Que nous devons défendre à tout prix, même au prix de notre sang. Dès que je ne sais comprendre le Rwanda, nous devons prêter main forte à notre gouvernement pour nous faire barrière dans le plan. Ce que nous avons dit, peuple, il y a Gomate, il y a Est et Rwanda.
Mais partie est, c'est Kabwana. Parce que ces peuples-là, ils sont éveillés par rapport à la Kinoa surtout. Vous comprenez? Parce que peuple là, qui est éveillé, il y a un moment qui met à mal plan à Bango et rebalkaniser Congo. Vous comprenez? C'est ça, artistique du Rwanda, il faut peuple congolais en général. La jeunesse, tous Yango. Tous se mobiliser par des marches pacifiques qu'on l'a dit à Bango que nous sommes au courant de ces complots-là. C'est ça le problème. Parce que comme si les Congolais, bah, c'est les charges Rwanda au présidentiel. Ou même l'immaturité bah, homme politique congolais. Ils pensent que ces complots sont contre la personne de Tshisekedi. C'est ça le danger. Parce que demain, ils prétendent diriger ces pays. Mais ils feront toujours face à ces complots. C'est ça le problème. Si réellement ces opposants aimaient ces pays, ils devaient tous se rallier derrière le chef de l'État pour faire face à ces complots internationaux. Mais Romain Katumbi, qui prétend diriger le Congo, nulle part à sa condamnation Kagame et le Rwanda. Nulle part. Aucune interview Katumbi à ça. Ce qui préoccupe Katumbi, c'est seulement le Congo. Non, les Congolais qui mènent matin, midi, soir à la partie est de Kuna. C'est ça les politiciens congolais. Mais le lot, est-ce que il faut pas que l'état-major paye armé les qui ne gouvernent dans le Nangambo est pour que moi qui m'y aille. Oui, c'était parmi la stratégie chef de l'État. Mais il faut savoir que notre armée a été tellement infiltrée. Vous voyez bien, malam. La semaine passée, il y a eu défection au sein de l'armée. Il y a un lieutenant général d'Obedience Tutsi. À qui il y a un militaire, dans la partie est, il y a un Mboka Oyo. Minembwe a été rejoint de Nani, bah, Angomine, dans M23. Allez-y comprendre. Bah, c'est là qu'il plan a dessin, infiltrer l'armée congolaise pour frager notre armée au profit de Rwanda. Tu peux imaginer, na bato bah, comme il sera Kabila, na Kamwara Bango, niveau inconscience, wana. Kabila a signé des accords, il y a un tek Mboka Oyo, et pas bah, Rwandais. Le 23 mars 2009. Mais comment est-ce qu'un chef d'État, tu peux signer un tel accord, il y a un commandement armé à Mboka, à 43%, na goma ko pesa na batuchi, à 39% na Sidi Kivu. Mais ma opposant, pendant le règne de Joseph Kabila, et moi, Mboka Joseph Kabila, ma kambo, tu vas vivre dans l'Est et Mboka, monsieur Zalagite. Ba M23, tu vas aller ko la ville, mon côté à l'Est. Mais pendant le règne de Félix Tshisekedi, tu vas aller ke Bounagana et Zouami, et Cité ou Zouami. Est-ce que c'est un paradoxe que tu as mis toi, ma Congolais? Na tu es awa, au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Vous comprenez? Tant qu'un politicien a tenu un tel discours, je crois que c'est l'immaturité politique. Peut-être à Bossabi. Les M23 et Botola Kabila Goma. Peut-être à Yébi, tu as informé. Mais Tshisekedi, ils ont tenté la même stratégie que Tshisekedi va réussir en Ota. Parce que si on va coïncider la grande ville comme Goma et qu'on contraindre Félix Tshisekedi à négocier avec eux. Or, qui dit négocier, accepter leur cahier des charges. Si c'est qu'il comprenait ces jets, il avait fait quoi? Il avait mis en condition notre armée. A tient moyen pour nous contraindre à assaut à M23 pour qu'il ne s'agit pas. Il y a un moment même une stratégie de l'échanger. Comme il a perdu la vitesse, il faut pas soutenir Kagame avec les armements pour contraindre les Félix Tshisekedi à négocier avec M23. Chose qui a échoué. Quand tu vois un politique dire ça, je regrette. C'est ça l'inconscience dont j'ai fait allusion chaque fois dans mes émissions. L'inconscience collective des détruits Mboka Oyo. Des dirigeants comme des dirigés. Les gens ne comprennent pas. Ben, il y a Valère Yama Belete, c'est ça le problème. Ils ne voient que leurs intérêts. Parce que Katumbi, les Fayoulou et tout qu'on sort, ben, il y a pouvoir pour le pouvoir. Vous allez diriger quoi? Ce qui Mboka Oyo, vous allez diriger. Bon, le lot automé quand même peut comprendre parce que tozo lobela déjà sujet à sécurité, à défense, ya mboka na biso. To koti mbala mo na sujet na biso ya liboso, to lobi boye. Le lot oyo le général oyo alobaki ke nazali prêt ya ko sopa makila na ngai pour la République démocratique du Congo, na ko pesa vie na ngai pour la République démocratique du Congo. Le lot oyo a démissionné et tozali pe to lali to lamuki to moni susu ke général Moussou azali nommé ayé lissou na kati ya mabélé ya RDC azali nommé na est na East Community Africa ayé na kati ya mboka na biso. Est-ce que makambo na nyonso ezali pe ko tsaba congolais pe na mwa pasi ba congolais bazali na posa ya kimia? Est-ce que ba changement wana ko apporter pe kimia na ngambo ya est ya mboka na biso? En tout cas, quant à moi, je suis pessimiste na lobango au cours de beaucoup de missions na lobango ki présence de la force régionale wana et quoi apporter rien à Congo. Parce que je me disais, peu importe la volonté de ma président africain wana ou bandi ko tinda ba tour na bona Congo, tellement baza dépendant na ba grande puissance. Bon, ça est le côté. La preuve est là. Tout monde qui
la présidence tanzanienne Oulu Sani Awana. Première déclaration à Salani, na otin da ba troupe na Congo pour na ko aider Congo et faire face na ba groupe armé. Mais ayeko sala rétropédalage na ba dire na ekaka que nos troupes tanzaniennes ba na Congo pour na ko bundate. Même, voilà. même les Burundais, bah, ça a une déclaration, bah, que, bah, il y a un M23T. Est-ce que l'importance, il y a force régionale, et Zalinini, la partie est un mot cannabis. Or, par rapport à la feuille de route qui a été signée dans Luanda, ils ont dit que, bah, il y a traqué le groupe armé, notamment les M23. Mais pourquoi est-ce que, tant que bah, sur le terrain, bah, il y a traqué le groupe armé, c'est-à-dire, bah, comme c'est un mouvement qui est observation. Mais nous avons déjà la MONUSCO là-bas. Quelle force et observation. Et bien, il revient. Non, papa. Peu importe la volonté, ces présidents, papa, me remettent à miner ma grande puissance. Ils vont dicter l'Ibanda. Et en ce moment, ils vont rétropédaler la joie. Il y a un moment qui m'a dit que notre VPM, il y a la défense. Il a veillé à convoquer le chef d'état-major pour constituer force. Il va clarifier leur mission sur les sols congolais. Leur mission était à vous traquer les mouvements M23. Et ça, c'est une mission d'observation. Il y a un moment où les Congolais ont une certaine opinion, ils ont une inquiétude. Parce que tant que les gens ne sont pas gâtés, c'est que c'est la zone tampon. Tout à fait. C'est ça le problème. Mais ce qui est le but, c'est que les Congolais ne peuvent comprendre. Parce que nous avons un MONUSCO, ils ont pesé biso. Nous avons un retrait de la MONUSCO. Jusqu'à présent, retrait de la MONUSCO, ils ont été phase par phase. Mais à ta face à l'Iboso et Salamina Nouté. De même, on a les forces régionales, il y a EAC, il y a les sous. Normalement, l'objectif c'était pour qu'on tient ma boque, qu'on a armé la Bisso, tout bien dans M23. Mais quand on a eu le Kolobake, on a eu le poste contre M23, on a eu l'observation. Tout ça, on a eu MONUSCO, on a eu l'observation. Tout ça, on a eu force régionale, on a eu l'observation. Nous, on a eu pesé sur le plan économique et on a eu. C'est ce que je vous dis ici. L'autorité congolaise va comprendre le coup. Dans toutes mes émissions, tant que la MONUSCO est en Mboka Oyo, Bitumana est ici. C'est la MONUSCO qui alimente les groupes armés. C'est ça la vérité. Tant que les dirigeants congolais ont des décisions courageuses, il y a pour la MONUSCO, cette guerre ne prendra jamais fin à la partie est en Mboka. Mais Antonio Guterres, vous constaterez. Na poussa na gaga. Antonio Guterres a lobi que M23 baza armé, bah munitions na bango et l'équipe et ça m'a cassé. Koleka bah munitions et belé. Est-ce que les lots au MONUSCO, au Azali sur place sur les champs de bataille, Azali qu'on comprendre que armement et M23 Azali supérieur. Est-ce que MONUSCO on a arrosé na makasi ya ko bundisa M23. Toi aye na ega kako vanda pas Azali ko alimenter bango. Est-ce que un responsable d'une grande institution comme ONU, on te dit, pourquoi Marquewana? Est-ce que les mouvements rebelles bah, fabriqueront armes? Est-ce que l'Afrique fabriquera des armes? Mais est-ce que Zahir peut un message à Roubani qui s'appelle armée congolaise? C'est ce que je vous dis. Nous allons revenir sur ce que nous avons. Les complots d'État international. C'est ça la déclaration que nous avons prouvé encore à ce qui est complot contre les congolais internationaux. Je fais de telles déclarations, mais je suis désolé. Parce que le M23, à Salah Ramindou qui était. Pour ce qui est M23, ravitaillement, c'est fini. Bonjour, il y a beaucoup. Mais qui alimente les M23? Et ça, c'est une grande puissance. C'est la MONUSCO. C'est un secret de polichinelle. Tant que la MONUSCO est pour maintenir la présence dans le Congo, Bitumba est aussi là, mon frère. Je vous dis que l'autorité congolaise, base de la décision courageuse, c'est la MONUSCO. Elles ont été chassées dans l'Angola. À cause de la MONUSCO, vous allez constater une chose avec moi. À chaque fois que leur mandat comme une souk après ici là, au moins on a été guerrier comme à la partie est à Mokonabiso. Mais elles font ça à dessin. Au moins à chaque fois qu'on a fait un mandat à Bango, on dit qu'on a un groupe armé dans la partie est pour guerrier à Makassi, va justifier le maintien dans le Congo. C'est ça la vérité. Que nos autorités comprennent cela. Bah, je vais rester moins courageuse. Bah, maintenant qu'on est dans la MONUSCO et puis la force régionale va tenir. Pour faire face à Rwanda, à M23, voilà. Qui du reste ne sont pas forts sur le terrain. Donc, le loto le baquet, force régionale, bah, c'est une place qui est est et à Mbokanabiso. Na MONUSCO, bah, c'est là-bas qu'il y a. Il faut pas qu'il y ait. Ceux qui va quitter, je l'ai dit, je le répète. Ceux qui MONUSCO a quitté, ceux qui force régionale est quitté, guerre Rwanda est aussi la terre. Il faut pas qu'il y ait un ravitaillement. Ravitaillement, il y a un Rwanda, et il y a un MONUSCO, et il y a une force régionale. Au moment où je vous parle,
Nous avons la présence à force régionale. Mais les M23 bah, ont renforcé ma position. Au vu eux aussi de cette force régionale. Ils ont renforcé pour quel objectif? C'est ça le problème. Parce que parmi leurs stratégies, ils ont recueilli ça une grande ville pour contraindre les chefs de l'État en divan négociation. Comment imaginer, comment tu peux comprendre la déclaration du ministre des Affaires étrangères kényan qui dit que, à partir des États-Unis, hein, que le gouvernement congolais devait négocier avec le M23. De quel droit? De quel droit il peut tenir tel propos? C'est pour vous dire que tous ces pays limitrophes à Congo, Bazali complice à complot à Congo. Même Denis Sassou Nguesso Nangangwa. Si notre président continue à faire confiance à ses présidents marionnettes, il les regrettera demain ou après demain. Mais Azali Kolanda, parce que Joseph Kabila Azali qui est pro Denis Sassou Nguesso, moi je suis Félix Péaye, a commis pro Denis Sassou Nguesso. Alors, Denis Sassou Nguesso, c'est le médiateur, le loyo, le bâtiment, le bâtiment de Verrier, le bâtiment de Lorenzo, le Angola. Mais si moi je suis en Boka, je suis en train de comprendre, et le loyo, le loyo, la partie est en Boka, le loyo, le loyo, force régionale a nommé général, général a yemba la moko na mabele ya mboka na biso sans pour autant copier sa copie information na président ya mboka na biso. Est-ce que zali ko manquer respect na République démocratique du Congo te ya mona joye bisayo? Cela justifie encore une fois de plus ces complots internationaux, parce que le Congo, la RDC fait partie à coordination ya force régionale. Lorsque Jeff Naga démissionne, avant d'abord de nommer un autre général, il fallait consulter la coordination, faire les choix sur les nouveaux commandants. Mais le président Ruto, il y a Kenya, a été proposé Alfarad Wana Mituri, les nouveaux chefs, les nouveaux commandants de la force régionale, sans consulter même au préalable bah, la coordination de la force régionale, notamment la RDC. Voilà pourquoi le gouvernement congolais est fustigé qui démarche Wana ya Ruto. Mais qui lui reste? Bah, d'accord, on a monté. Mais le col est salami déjà, pour ne pas encore créer encore bah, frustration à quatre forces régionales, le président a dit à ses nouveaux commandants, a rappelé sa mission. Sa mission est de traquer les mouvements rebelles M23. Donc, au-delà de la mission, on a dit. Mais moi, je pense que nos dirigeants, bah, ça n'est pas prudent avec cette force régionale. Ce qui va repérer sa confiance avec les regretter na yango. Parce que cette force régionale a une seule mission de faciliter les M23 pour la Goma est tombée. C'est ça la vérité. Mais moi namboka lelo tolo balon pe bo solo population yo kabiso, est-ce que kokota ya RDC na East Community Africa na EAC ezali kolukela pe RDC makambute, parce que makambo botami lisusu ebele pona kokota kaka ya RDC kati na kati ya communauté wana, est-ce que ezalaki nécessaire que RDC kota na kati ya communauté wana? Oui, le président avait estimé que ezalaki nécessaire pour des raisons économiques à notre pays. Vous voyez que le parti est un abysso mingi, mingi au balia de outre dans le pays où on a limitrophe à Congo. Alors il a fallu maintenant faciliter les tâches dans le commerce. Vous comprenez? Transfrontalier. Et c'est là qui m'a bêté. Mais sauf que les intentions cachées dans le pays membre à EAC des Amabi. C'est ça le problème. Dans le pays où on a, peu importe leur bonne volonté, tellement ils sont soumis à dictateurs impérialistes, ils n'ont pas le choix, papa. C'est ça le problème. Les choix, c'est là qui m'a bêté. Parce que, dans le cadre de la Congo, parce que le Congo est vivant dans la vase clôté. Vous comprenez? Il fallait que le Congo collaborer sur le plan économique avec d'autres pays limitrophes pour faciliter le commerce transfrontalier. Il y a les deux peuples. C'est là qui m'a bêté. Mais sauf que, l'intention, ils ont caché derrière, partie prenante, il y a EAC des Amabé. Vous comprenez? Les choix étaient bien pour le peuple congolais. Vous comprenez? Sauf que dans le pays, les complots État international, ces impérialistes, ils ont utilisé la voie nuance possible. Au moins. C'est ça le problème. Bon, lelo oyo moi namboka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ba congolais pe nyonso gouvernement couche nyonso ya République démocratique du Congo et yebi au vu au sud de tout le monde que charte ya East Africa Community ya EAC
na article nango 4 et ali ko pesa droit na ba pays membres ya ko partager ba souveraineté ya ko partager ba ngamba ndambo ya mabele o ezali ndinga ndinga na bango. Alors lokola to yebi déjà lelo oyo na article 4 ya charte ya EAC elobi que ba pays membres nyonso bazali na droit ya ko partager mabele o ezali tout autour na bango. Est-ce que lelo oyo ezali possible te tobi manabiso na kata EAC wa? Non, ba tu peut-être bazo interpréter article na mabé ko partager sur le plan économique. Non, la souveraineté n'a pas n'a rien qui non ba o céder mabele non, ce n'est pas ça. Et puis il y a encore un autre article lobi boy. Si l'un des pays membres est attaqué, tous ces pays membres et qu'on attaque Mboka wana. Ce serait d'être prudent. Parce que le Rwanda fait partie à EAC wana. Alors, dès lors que le Congo et les Vaki ont option à quoi attaquer Rwanda, ne voyez-vous pas les dangers que le pays wana est attaqué RDC Bamounios? Ce serait dit à jouer qui n'a intelligence, n'a sagesse. Pendant Oyeba, Oba Touba Oshala n'a pas battu, mais il faut qu'on ait un cas. Il est bloqué maintenant. Parce que les deux pays, le Congo et le Rwanda, font partie à EAC. Maintenant, beaucoup de la NAN. Les gens peut-être oublient. Tshisekedi avait des options. Vous vous souvenez dans Luanda, à MCKR, mais clair. Soit la paix totale, soit la guerre totale. L'option qu'il avait levée pour la première, enfin, l'option diplomatique. Pour Allah qui s'est à la face du monde, que mon pays est agressé par le Rwanda. Le col à monde est sali sourd d'oreille. Maintenant, on va passer à la deuxième vitesse. On est allé pour déclarer la guerre contre le Rwanda. En ce moment-là, le Congo ne sera pas condamné. Parce que leur président a sillonné de par le monde pour que la Kisabamo noir sur blanc avec des preuves à l'appui que mon pays est agressé par le Rwanda. Or, le Congo se réserve le droit pour défendre l'intégrité territoriale. C'est ça le problème. Mais tout le monde qui a eu hier ou qui a eu na Sénat, et si kawa pe gouvernement bazalaki na Sénat ba mekaki un peu ko solo la nto monaki ministre ya justice azalaki ministre ya communication azalaki ministre ya santé azalaki. Alors question o yaki na kati ya plénière ya Sénat et pas ya mwana mboka André Kimbuta alobi to votaka état de siège pour na respect ya mokondi ya mboka pour na respect ya ministre ya justice. Mais lelo oyo asengi na ministre ya justice akende koyebisa président de la République que état de siège ezali koyo ki samboka na biso soni pe ezali ko bimisa mboka na biso faible vis-à-vis ya ba voisins na biso pe vis-à-vis ya communauté internationale que lelo oyo esengi to déclarer to comme na état de guerre. Est-ce que yumo na mboka omoni ndenge nini par rapport ya avis ya okota na kati ya état de guerre? Moi, je pense que moi, Namboka, le sénateur André Kimbuta, oh, a sengi état de guerre. Il avait raté l'occasion de se taire. Parce que Bangoni est à la base de la guerre, on a l'Est. Bangoni a le gouvernement, on a le régime Kabila. Peut-être à Yébaki, objectif de l'état de siège. C'est ça l'ignorance de l'homme politique congolais. L'état de siège, il y a un est à la base de la crise dans le Rwanda. Peut-être que Kimbuta est bien monté. Tshisekedi avait compris une chose. Parce que nos minéraux, c'est là qui pillaient la partie Est, il fallait décréter l'état de siège. Il y a un mettre fin à piège, il y a des ressources naturelles dans la partie Est. Sur le Kagamazo Lena, crise de côté dans Rwanda, ils allaient à cause de l'état de siège, au Kimbuta a évité. Parce que cette guerre, c'est d'abord, premièrement, c'est d'abord économique. Parce que, au que l'économie rwandaise, ils ont financé 50% de minéraux à Congo. Vous comprenez? Alors, tant que Kimbuta, lui qui est censé être informé, il n'est pas informé, je suis désolé. Que ou t'es pas naïe, un homme d'État comme Kimbuta. Parce que l'état de siège avait un seul objectif. Arrêter l'hémorragie, il y a pillage, il y a des ressources, il y a Congo. Il y a un peu salami. Sur le Kagamazo Lela, les militaires ont combien payé dans Rwanda? Les fonctionnaires, à cause de l'état de siège. C'est ça le problème. Vous comprenez? État de siège, toi, tu sais que tu as dévolu. Après état de siège, maintenant, tu peux passer maintenant déclaration de guerre contre le Rwanda. C'est ça le problème que Okimbuta doit comprendre. L'objectif est de mettre fin au pillage. Il y a ma ressource en Mboka Nabiso, état de siège. Parce que guerre Rwanda, c'est d'abord économique. C'est ça le problème. Il y a un moment où Kagame a l'élite, tu as un état de siège, Kagame a l'élite. Rwanda crise de côte, il y a une crise de côte dans Rwanda. Les fonctionnaires sont payés. Économie rwandaise est comme une baisse.
à cause de l'état de siège au Kimbuta Yébité. C'est ça l'ignorance de l'homme politique congolaise. Bon, moi, Namboka, par rapport à la vie, na yo, lelo yo peuple congolais, na po sa ayeba. Par rapport à la vie, na yo, est-ce que lelo faut que l'état de siège soit en état de guerre, tout continue quand il est en état de siège? Je pense que le président de la République a un cabinet Mobimba. Vous comprenez? Oezali, chef de la maison militaire, naïe. On ne déclare pas la guerre, tu te réveilles un bon matin, tu les guerres contre le Rwanda. Non. Là, ils ont cette responsabilité. Ils sont awa. Il faut que notre armée a été infiltrée. Nos services ont été infiltrés. Maintenant, déclarer d'emblée comme ça la guerre avec cette infiltration dans quatre armées, conséquence aux Alamines. Et c'est ça le problème. Il y a un moment bon, c'est la toilettage au niveau de l'armée. Lorsque le VPM y a défense à l'obique, tous les officiers supérieurs, Baïlaïe, Kirisus Nabango. Baïlaïe, Kirisus Nabango, normal, on va s'y aller. Et ça y est pour nous. Aïe, Bakiki, brassage, mixage, et côté ça, beaucoup de militaires, à outil, soldats, à rang à Rwanda, à commis colonel, à commis général. C'est ça le problème. Les gens, avant de faire il ne faut pas réfléchir. Si tu n'es pas expert en la matière, il faut consulter Batoubébi Makamboa. Tu sais que d'abord Kende, Malé, Malimbi. Or comprendre que toutes les décisions à joie à ratat dans mon côté. Parce qu'il y a Yébi. Toi, tu n'as pas tout à voir. Ah, tu sais que dit, Akabona FCC, Akabona FCC. Ayeba qui? Lorsque tu as eu temps, à observer, à Yéba, les pour et les contre, Akabona na Kabila facilement. Et le Kabila appartient au passé. C'est ça le problème. Que les Congolais prennent leur mal à patience. Nous avons un chef d'État qui est outillé politiquement et diplomatiquement. Aïeb Makamboas. Et parce que là, je toujours attends. Et puis, je pense qu'il y a raison après. Si nous avons eu un peu tant que nous avons eu un toilettage à niveau armé, nous avons eu pourquoi. On ne pouvait pas déclarer la guerre contre le Rwanda pendant qu'il y avait un filtre. Prenons l'exemple. Toi qui n'as pas complice local là, ou à autre chose qui est prison au Nani. Manga Chouchou. T'es non, le général. Chirimouane. Chirimouane. Yeah. On comprend. On avait des colonels. Oh, il y a aussi la défection. Wana. Mundende wana. Bon, colonel wana. Oh, a supervisé une grande partie à ville. Na kota minembwe. Boké la guerre contre Rwanda. Conséquence, c'est une guerre. Mais il faut. Avoté la plan sur des guerres. Voilà. Si vous voulez. Nous avons un général. Yav, il est en prison. Yav, il a facilité qui kota ya M23 na kata Bounagana. Devons-nous aller la guerre contre Rwanda na position wana? Mais parce que Zalagi peut au Kamu Sabatu. Nenge nini Bounagana et Zalina pour avoir kota na Bounagana, il faut oyan nzela ya Uganda. Mais nenge nini Rwanda a kei kota na kata Bounagana. Et Zalagi peut au tapé batu un peu na confusion. Batu bakanisa yindete Zalagi na ngoka armée ugandaise. Mais tozo ngana nuna armée ugandaise nenge nini bangope bazali ko bunda na ba force nyoso wana de côté. Est-ce que lelo oyo toza la clair, toza la non clair, tozo lo bakaka. Armée na biso d'aller infiltré ti mo colonini to kolongola ba infiltré wana nyos na kati armée na biso. Mais déjà on va dire kolongola bango lorsque le président a auto sa la mise en place yasika, tu n'as pas au constater que atche batu yasika bele. Pourquoi Kagame a tant ba nommé Bemba comme VPM yanini, même le Rwanda et lingana ki poani? Parce que ba yebi force ya Kagame c'est là qu'il y a une infiltration. Kagame a infiltré tous nos services, même les renseignements. Vous comprenez? Par l'entremise de Kabila. Dans l'accord, on a signé le 23 mars 2009. On a signé que le Rwanda a reçu le contrôle du service de renseignement à Congo. Allez-y comprendre. Si on a contrôle le service de renseignement à Congo, le Congo, on a vu ce que c'est. Mais on a vu ce Kagame a bandé pour Bombé pour attirer pour Yébaki. Et là, si on a vu ce que là, parce qu'il a compris que Tshisekedi a compris ses jeux. Lorsque le chef vous dit à chaque fois, devant les Américains, il n'y a plus de question à mixage ni à brassage. C'est de là que l'armée congolaise a été infiltrée. Bozui Moutaouti, soldat de rang à Rwanda, a commis général. Bosco Tangana. Bozui Moutemboussi. Bama Kenga. Bama militaire de rang à Rwanda, mais des généraux na Congo. Ils insultent na Congo. Ils ont fait ça à dessein. Il y a un moment où Félix a boy Bilokouana. Déjà, une loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Interdisant le brassage, le mixage dans la carte armée. Il y a des premiers
oyo to mettre bango déjà to bloquer bango. Deuxième mais la deuxième phase il y a que ça la nini contrôle. Il y a un officier supérieur même ba auto ça lango dernièrement. Abi tout le monde est na CV na yé. Mini ba kimia. C'est le problème. Tant qu'on va toilettage wana. Tant qu'on va toilettage wana maintenant en ce moment tu dis que non, toi na ba militaire oyo ba za loyal na mboka. On peut déclarer la guerre contre le Rwanda. Et je vous dis, la guerre contre le Rwanda, et ça même déjoué. Parce que le Rwanda, même sur le plan effectif, a encore tapé de 6 fois dans le Congo. Même sur le plan armement, a encore dans le Congo. C'est ça la vérité. Kagame a profité de l'infiltration. Dans autre chose, il y a Yav, qui est un général Katangé, a payé sa passe dans M23, mais il est congolais. On avait encore un général, Kaizi Innocent, Rwandais. C'est lui qui a dirigé l'opération au niveau de Kisangani. C'est lui qui a guerre contre Rwanda. Avec un tel général, Innocent Kaizi. Sort les gars. Mais Ezali, tant aux autres généraux, militaires, mais na katipe ba homme politique na biso pe tozali pe infiltré parce que ezali pe na ba politicien mususu oyo bazali ko sepela que des ordres c'est le makana est parce que bango bazali na ba carré minier bazali na ba avantage na bango na kati ya est wana. Alors pourquoi pas koloba ko ben na pe matoi na ba politicien bazali pe belé l'Assemblée nationale na biso bazali na Sénat na biso bazali pe na ba poste ya ba prise de décision mboka na biso. Alors koloba na bango nyoso wana te esengeli heure est venue quoi. Même président Félix Antoine Tshisekedi dit que heure et coquille, on est au Congolais, à l'île côté à désordre dans le RDC. Il faut pas qu'on ait un peu de la prison. Bien sûr que oui, monsieur le journaliste, on a dit que le complot est à Congo et il y a des gens qui ont été impliqués dans certains Congolais inconscients. Tala Kagame, Kagame recrute même les journalistes congolais. Kagame. Et les hommes politiques. Il y a de ces politiciens congolais à comme ministre à cause ya Kagame. Boche la maille ministre, Bazali. Y'a un tourisme de l'Isayo, Tshisekedi a hérité quel pays? C'est ça le problème. Il a hérité un pays où il y a déjà, donc, n'a qu'à ta gouffre. Maintenant, il a fallu qu'on paie ça et temps. Vous comprenez? Il faut prendre le temps pour démanteler tous ces réseaux. N'a pas dit, on a dit, on a dit, on a à niveau Assemblée nationale. Alors mes chers collègues, sortez des groupes armés. Et puis c'est vrai, la preuve est là. Mwanga Tchoutchou. Mwanga Tchoutchou qui se réclame congolais. Il est député élu de Masisi. Vous comprenez? Mais il est rwandais. Loyauté na yé, et ça na Kagame na Rwanda. Mais il se réclame congolais. Allez-y comprendre. Mais ils ont libéré Yannini parce que tu as libéré au poussin à peine à ma ponami. Mais l'élection en Oyango, tu as libéré au poussin. Alors, ils ont libéré surtout les partis à Est Wana, les lois de Togoloba, la population est dans la Ngambouana et Kombe Koya, Babinga Rabango, Kombe Koya. Mais la population Nyonso et Baza tout autour Yangambo Est et Nabiso, Bangone, Bazali peut-être au Togoloba, Bazali ba puissant, Bangone Bayaka, ba Pessi, Monsolo Nabango, va influencer la population à l'Est et va bimi député. Mais Bazali Kosale là, Rwanda Oleke Bazali là, Mboka Nabiso. Est-ce que na loi électorale ou Yassika ou Kobima ou est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu côté légitimité et la nationalité congolaise en avant pour que permettre que élu ou Kobima, député à Kobima, Azala, député carrément congolais. Mais c'est ça la raison de même que tu la loi Tchani. C'est ça la raison d'être la loi, non? Mon frère, que même nos frères de l'Est, laissez-moi vous dire, sont des complices. Les Rwandais utilisent même les mouvements citoyens à partir Est. Ils utilisent la société civile à partir Est. Il y a un bon mot pour trahir. Comment voulez-vous, bonjour, la population à Est, et voter les Rwandais président de l'Assemblée provinciale à Goma? C'est un Rwandais. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça, mon frère? Bah, va voter voilà. Les députés. Direct sont des Congolais. Parce qu'ils sont impliqués dans l'Est. Moi, dans l'Est, c'est où? Bah, tu es belé, bah, on s'enrichit, na yango. Les hommes politiques, les militaires, bah, quand ils savent, couche, ils n'ont pas. C'est ça le problème. Il y a un monde qui sait qu'il dit, Azuita a démantelé le réseau, on a mouqué, mouqué. Et la chose facilité, mon frère. Ils ont dit un général, un monsieur qui n'a biftec au Katangou Maramoko. Allez-y comprendre. On a des généraux dans ces pays.
bah autant qu'on a immeuble, n'accélère ni. Makila va congoler na go. Makila va congoler. Et na ba na mboka, bah autochtone, y a parti est, bandimi, bah électeur na ba koufaka, pour la intérêt na ba carré minier. Surtout ça, surtout les gens qui carré minier. Il y a des députés à est, bah na ba carré minier na goma. Nous avons fait ça pour moi. Qui dirait que c'est un Rwandais? Mais au profit de leurs intérêts, ils ont préféré sacrifier Bande Kona Bomba parti Est. Mais ils n'allaient pas si, parce que dans la terre, dans la bombe, c'est un Malien, Oyo, à l'Obaki, à Ebi Sakinga personnellement, ce que je dis, c'est vrai, à Ebi Singa personnellement, c'est un Malien qui travaille dans Monisco, à l'Obi Claire, à l'Obi. Vaut mieux que tu batines dans Naïna Est que na kende ko la mission ya Monisco et sika oyo ba djihadiste bazali na ngambu ba Boko Haram place wana nyoso wana na ko kende te vaut mieux na kende na Est na tuni pourquoi o kende na Est que o kende place ba Boko Haram ba djihadiste bazali abi parce que na Est je me retrouve mieux. Allez, je comprends. Mais na auto biso awa la Monisco na 2015 Bakanga, na ba véhicule à Monisco, ba minerai congolais. Et on a entendu ça, la Monisco, soit quoi qu'il y ait un mot qu'on a été, tout espéré na qui met la partie STT. Première démarche, yangoana. Deuxièmement, ko décelé, ba mouvement nyon sowana, ou eza coopéré, ya ba congolais contre la République. Ko pendre, ba moi s'il faut le pendre. C'est ça le problème. Au moins, n'en boka ou, parce que les Congolais sont contraints de l'État au Samara. Ailleurs, tout ça, c'est une haute trahison en Boka, au Pandre. Mais on a des députés, ils ont siégé dans quatre assemblées, mais ça n'a pas de groupe armé. Vous comprenez? Et pas seulement, pas seulement, mais pendant que c'est lui qui est à la base, il y a une tuerie dans la partie Est. Ils sont nombreux dans quatre hémicycles. Mais les réveils. Les revenus que le gouvernement congolais, la justice, je voulais dire, Baba Nako Kanga, tous ses complices, wana, ont travaillé en connivence avec un ennemi en Boko Nabiso. Ils sont dans la carte hémicycle, dans la carte armée, dans la carte la police. Vous comprenez? On a vu Mouanga Tchouchou, un simple député, manipuler certains policiers. Allez-y, comprends. Mais d'abord, question EEP et Yaki. Parce que les lois ont fait recueillir dans la cour constitutionnelle pour battre la inconstitutionnalité. Mais comment est-ce qu'un député a le droit à la munition? Il n'a pas d'arme. Est-ce que c'est ali normal? Parce que tout le monde bien. Est-ce que il faut bien aller là où il y a gouverneur y a loi là-bas? Mouillège. Est-ce qu'il faut qu'on bien à Mouillège les lots pour interroger pourquoi après ça qui accès na ba na armement na ba munition na un simple député national y a beaucoup na biso. Mais c'est le journaliste. Les pauvres Mouillège ne pouvaient rien. C'est ça le problème. Malheureusement. Ba Mouillège et consort, ba tu ba accompagna Kabila, ba tala ki ba intérêt na bangou, ba tala intérêt en Mboka. C'est ça le problème. Tu peux imaginer Raymond Tshibanda, ou a signé ba accord na Mouanga Tchouchou Oyo, en son temps, a la ki président CNDP, pour na ko teka Mboka, Raymond Tshibanda, Congolais de père et de mère, au profit ya ba intérêt na yi. Bah, Tindy allait signer ses accords. Mais ils allaient au bang, parce que Raymond Tshibanda, il y a un temps, comment il peut ministre d'affaires étrangères. Est-ce qu'ils allaient dire comment on a que Moka Oyo et l'équipe n'a pas risqué Ebélé? C'est ce que je vous dis. L'inconscience collective qui a détruit ce pays, au niveau des dirigeants et des dirigés. On a vu, vers les années 90, le premier ministre Lunda Bululu être nommé par Maréchal Mobutu. Il a démissionné. C'est ça le problème. Tant que Monique, incompatibilité commune, Mamoussala Ozosala, ba personne, ba dictateur, ils ont contraire, na Itali loi en Moka, tu n'as qu'à démissionner. Pourquoi ils ne le font pas, Raymond Tshibanda? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pendant que vous avez congolais de père et de mère, tu as des enfants. Mais à qui signer un tel accord au profit de Barouandi? Il y a un autre, mon frère ami, mon cher ami, au Congo. Nous n'avons que des diplômes, des grands diplômes. Mais ben, l'intelligence va manquer dans le Congo. C'est ça le problème dans le Congo. On a vu les éminents professeurs
Nous sommes passés sur une université, qu'on léchait ma botte à Kabila. Des éminents professeurs. Hein. C'est eux qui sont à la base. Yamakamounios ou Yamboka ou. C'est soi-disant professeurs. Les lobes ont une union sacrée. Yangope tozo kota mbala moko lelo oyo ba kongole bazali komituna to kota mbala moko lokola ono sango mbala moko na deuxième sujet na biso lelo oyo ba ressorti sans kabiliste na kata union sacrée ba kongole bazali komituna ba tuwa bazala ki epa ya mobutu ba yemba c'est ko ba yesu su pa ya Laurent ba kei pa Laurent Désiré Kabila omo umela lelo oyo batambolina Joseph Kabila oh China Rambo batambolina ye lelo lisusu bangwana na stade des martyrs union sacrée est-ce que ezali ko nakoloba ngonde ngene parce que ezali ko sala na passe na mutema est-ce que homme politique ya mboka na biso azali na vision ya ko salela peuple to ya ko salela ba propre intérêt na ye mais c'est les journalistes. Nous n'avons pas des hommes politiques dans ces pays. Ce sont des ventriotes. Bah, ça, la politique, au profit de Bamouna Bango. C'est ça la vérité. Ils n'ont aucune vision pour le Congo. Le seul parti qui avait une vision pour le Congo, c'est l'IDPS. Il y a un moment où il y a 37 ans dans notre opposition. C'est ça le problème. Au Congo, on a parti au Oyo. Parce qu'il n'y a même pas la même vision. Tellement à cause du pouvoir, il y a un conseil allé derrière. A commis allié. Allié. C'est ça aujourd'hui. Le même personne, au Batindi Kabila na Liboulou, Bayemba on a union sacrée. Mais est-ce que Bakoko s'appelle Ndego Félix na Liboulou te? Parce que Ndego Kabila le bagina zangi 15, soki 15 personnes pembeni na ngai. Mais le losko bato union so wana ba Boshab, ba Sheo Kitundu, bango union so wana bango wana na ngambo ya Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix peut relater te na suka ke na zanga ki bato? La différence entre Kabila na Tshisekedi et ça sur le plan vision. Kabila a dirigé le Congo sans aucune vision pour le Congo. Yango Moni, il s'est laissé parfois manipuler par ses soi-disant professeurs. Dans l'année, dans la politique, un ministre en fonction, sans Watunaye, Ozalana Kabila, Ozalana Tshisekedi, peut savoir la différence entre les deux personnalités. Abisango, soit au côté du conseil des ministres, dans Kabila, à l'obarata Momo côté. Ndebo kubande aussi ni sa lobata momo kote. Oye baté makambu yo lobby, asepeli nango ou asepeli nango te. La différence avec Tshisekedi, ta ma telebisinga ministre sectoriel, la bandi ko pesa vision nanga, a rédition boyeté kendebo kendebo. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a une vision pour le Congo. C'est ça la différence. Et là même mboka oyo, bato ba oyo nga ba diriger Congo, ils n'ont pas une vision sur le Congo. Touna Fayulu, sa vision pour le Congo est ali. Touna Moïse Katumbi, sa vision pour le Congo est ali. Bah, nangote. Mais bah, ton position, bah, qui s'aka union sacrée, bolobika ka union sacrée, mais vision union sacrée est ali. Tshisekedi, azwa ki vision aye a Tchango sur la place publique. Tout Congolais, on dit que servir Mboka à travers cette vision, aya kousira li naye. Faut comprendre. Kotcha l'homme au centre de ses actions. Yango tout moun alelo. Papa, dans 4 ans, ce que Félix a fait, Kabila 18 ans, c'est au Salamota. Mais sauf que l'homme politique congolais, Bazab est inconscient. Tant que le président Bengio a confié la responsabilité, ministre, mandataire, tu as la vision d'Angélie Zabou. Au Komiwana, au Baniko, au Kotoka, au Tchala Pochinaï. C'est le seul pays au monde où on a nommé ministre ou mandataire, famille Salaka fait. C'est le Congo. Mais ça n'a pas si. Mais il faut y voir. Il faut que les questions soient malades parce que les gens qui ont. Et quand ils sont même ma voisin, on va dans les pémeni. Quand on va dans le journal de Bimi, un tel, il était même mandaté. L'objet de mon anatomie, on va dans le monde. Mais quel est l'avenir? Il faut y voir. Quand on a dit que. Place Batéwana, ils allaient charger mon kumba oyo memi voilà. Pour que oyo bako sala mon sala oyo population a ko se retrouver. Mais nenge nini, yo avo sala mon sala, avo banda ko sala mon sala wana, yo moko o se peli déjà. Ya on a auto ebisa awa, Congolais, l'inconscience n'a répété. Ya ba dirigeant, a joué bate que place Batéwana, c'est une charge. Ya ka se a privilège. To mona batuna mboka oyo, a longwa, a. Azala a comme premier ministre
abanda ko foutre ndako deux chambres salon a comme ne baye même c'est au Congo. Tout à fait. Koutou locataire. Au propriétaire. Et ça, on a beaucoup. Et on a autour de ça. Ceux qui sont congolais en général, ils ont comprendre que la place de Tchenga est une responsabilité. Mboka ou il faut se développer. Parce que tu sais que Dissel, peu importe sa vision, il a besoin de collaborateurs ou pour aider pour matérialiser la vision. C'est ça le problème. Tu as la volonté tu sais que de mieux faire. INGEF, Inspection Générale de la Finance, ils ont créé en 1987. Tous les gouvernements qui ont vendu la yango pour que les gens ne soient pas. Mais je sais qu'il y a la mouche INGEF. Vous comprenez? Pour lancer le contrôle de la finance publique. Il y a le ministre pour détourner, mort, réfléchir deux fois par rapport au régime passé. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a détourné 32 millions à courant. Il y a été. Le président Kabila a posé Pierre à l'aéroport en Chine. Il y a un bon goût. Mais écoute, yo kuto lobiku aéronef ou folé basa dans l'aéroport en Djili ou etika la maquette na mito ba congolais. Mais nzeto lo bato lo banan pe contrat ou sino congolais. Lelo ou bande konos bazali ko landa biso bande ko lutendele 19 millions et bimati lelo ata 1 cm salimate. Ezali ko koka musa ba congolais. Mais yango na auto ebisa yo awa. Nous Tshisekedi a hérité makambo ebele na kata mboka oyo. Les congolais d'abord. La première des choses du changement de mentalité. Que les Congolais dans l'ensemble a comprendre que non, responsabilité dans les avoirs pour beaucoup de tombes. Le développement d'un État, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. C'est la chef de tout. C'est la responsabilité de Moutounyonso. Il faut Moutounyonso, Ngaïyo, bas dirigeant, tout prendre conscience que les revenus, tout aider Mboké Tombama. Ceux qui ont inconscience, ils ont perdu les caca, peu importe Moutoubabocha, Bako soit Jésus président à Congo, Mboké s'est développé. C'est ça, et sa mentalité, ça ancré dans l'ADN congolais, qui mouibi. Nous devons détourner à lui seul 50 millions, 100 millions. De mon déjà payé liste, IGF et Tikobima, pour n'avoir fictif, les lots, ils allaient même dans ma mandataire, ils allaient même dans ma politicien, les lots, ba misusu bazali na ba salaire, na ba ministère 4. Moutoumoko, ils ont un salaire dans le ministère 4. Il y a un autre loup. Qu'est-ce que fait le VPM, il y a fonction publique, l'IAO? C'est ça le problème, non, Louba. Ce sont ces. Il faut collaborer avec les chefs de l'État. Tu as fait mes fonctions publiques. Il faut que ça le contrôle. Il y a des effectifs. Il faut que ça le bureau climatisé. Il faut que ça le contrôle. Il a fallu IGF faire le contrôle. À dénicher. Bah doublon. Bah fictif. Il y a 4 ministères différents. Mais ce que peut être aussi à la justice congolaise. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, justice n'a pas été corrompue. Vous comprenez? Justice est quand même un cas, il y a des gens qui ont été libres. Mais les détournés, ils ne sont pas. Mais est-ce que les ministres de la justice sont à mon côté, Mme Rose? Pour est-ce que les ministères sont à mon côté? Pour nous, cette dame est incompétente sur toutes les lignes. Pour nous, nous ne savons même pas pourquoi elle reconduit Mme Rose. Parce que les gens qui sont dans la cour des tribunaux, il y a à boire et à manger. Tu avais raison au combinator. Parce qu'on a un bon côté. Mais je vous dis, il y a des magistrats verrés. Au va saper action chef d'État au niveau de justice. Bazawana. Ils sont déterminés à saper les actions chef d'État au niveau de justice. Mais cette dame justice, Moussa Nezanini, Rose Moutou, Osani, est-ce que. Abet a tourné dans la cour des tribunaux, c'est un dans la cour des tribunaux. En tout cas, nous avons. Il y a un dossier pendant. Oyo, Bazo Lukaba Teka, concession à l'État, Fondation Marie-Antoinette. Il y a déjà des magistrats verrés. Nous avons les formations. Oyo, le messier Bahati, va trancher dans la faveur naïe. Pendant que cette concession appartient à l'État congolais, ces magistrats verrés. Basala clic na bango, il y a un magistrat verré à Miyibi, wana, naba avocat Miyibi, pour la spolier bandaga ba paisible congolais. Mais les cambo spoliation oyo peza li pe mingi soit au pays toke pe na ngambo ya BAT ezala li pe na famille moko ba ekolela spoliation ezali ko sale mais ezali na indignitaire ya mboka oyo azali ko expolier ba parcelle na côté wana mais depuis bande ko bakena même na palais de justice kolela ko sala kotika memo na bango pa ministre de justice jusque là sans suite. Est-ce que ezali ko sala passe na ba congolais te komona ke secteur ya justice na biso ezali na maboko ya muntu o azali incompétente.
tout ça est retombé sur le chef de l'État. Or, pilier à chef de l'État, c'est justice. Mais t'as la justice plus que ça. Parce que chef de l'État, elle est là qui état des droits. État des droits. État des droits, ils allaient la justice, ils allaient équitable. Mais n'est-ce pas une justice, président de la République, en tout cas, ngai, et ça n'y passe. Madame Rose Mutombo a mérité de cause à la place où on a. Ngai, en tout cas, où on est allé à Vinangai. Papa, vous, je suis d'avis avec vous, papa. C'est une incompétence sur toutes les lignes, papa. Elle ne mérite pas à cause à la ministère où on a. Vous comprenez? Parce que la vision au Mounen et à chef de l'État, c'est le peuple d'abord, l'État de droit. Mais toujours, mon amour, le comique, pire, le même pratique qu'on a décrié hier, il y a un autre régime à Tshisekedi. Est-ce que c'est bon, ça, encore pour nous saluer le chef de l'État? Parce que ces magistrats verrés sont connus. Et puis, président du conseil, il y a un magistrat, on a saluer combien de Kamou l'État, il est donné. Pourquoi on a sanctionné le magistrat, on a dit? Pourquoi? Chef de l'État a beau qu'on s'est mixé la justice. Alors que la justice doit être indépendante. Mais tant qu'on a le chalibou, que comme on a le monimbou, que dictature. Mais à tikeli bino, bon, il y a un magistrat, toujours un dictat, bah tikeli yo, yomoko, au prononcer le jugement na yo, conformément à la libé kwa mboka. Mais t'as pas bêtise pour ça. On a un magistrat, à sa la du piéton, après deux mois, à comme ton immeuble, on a reçu un salaire ni. Et pourtant, un magistrat, comme un médecin, tout le monde, basali qu'on vivre na modestie. Un magistrat qui a été mis à immeuble à trois niveaux. Mais papa, mais t'as le magistrat de Bautou, on a beaucoup. Magistrat, soit il y a quoi pendant, Bouyokan. Concession, on a eu 4 là. Et si lui, net dossier, on a eu la Fondation Marie-Antoinette. Va promettre ma magistrat. Et pas ces messieurs-là, ils ont défié l'État congolais. Si vous tranchez en faveur de Nanga, vous avez un niveau de sénateur. Il ne se passe pas tout. Ces messieurs ont promis au magistrat. Ils ont instruit le dossier. Mais la concession appartient à l'État congolais. Chef de l'État, message est un mot lancé. Tala Bandeko, oh basali na niveau sendwe lelo oh basali kolela pona justice ezali susu na bosolo te tolobi justice tolobi vérité sengeli ezala mais justice ezali susu na bosolo te parce que ba magistrat parce que ministre de la justice yemoko azali ko quand même ko kumba secteur na yemala muté ezali ko sala passi mais lelo oyo est-ce que lelo oyo union sacrée espoir nini memeli population congolaise union sacrée na otoloba awa. Ils ont différents dans FCC. Parce que les FCC sont qui réunis autour de la mangeoire. Mais l'Union sacrée est réunie autour de l'objectif à chef de l'État. Il y a un chef de l'État. C'est la différence. Alors, que certains ne pensent pas que l'Union sacrée est blanchissée. Ah, mais tout le monde est belé. C'est plus de 500 partis politiques. Ne vous en faites pas. Moi, je connais. Est-ce qu'ils allaient partager un gâteau? Moi, je connais. Est-ce qu'ils allaient si quand autre na salaire ma ben nga na eko se protéger na. Moi, je connais bien les chefs de l'État. Na yebi malam. Et fonctionnement na yi. Si certains pensent que union sacrée, ils a blanchisserie, ba mikosi. Ils seront surpris. Na yebi surtout ça non ao. Kangé mission ou. Et Bélé, oh ben qui n'a boulot, il y a partage à pouvoir. Na 2024, mini baolo mo union sacrée. Tant mon amati a vendu wana, a eu poste ministériel, a eu une idée, et Bélé va qui mo union sacrée. Je vous dis, je connais mon chef de l'État. Et Bélé va vous a surpris. Pour aller ben bien. Tala bien. Les chefs d'État ont besoin de changer classe politique congolaise. Tala bien, non? On comprend dans mon côté. C'est la première fois que tout le monde a l'élo des ministres jeunes dans mon cas. Et ça qui a pas n'a pas vie ou n'a pas mi-libi ou n'a mais tâche à me confondre. On a des bourgmestres, des jeunes de 20 ans. Tout à fait. On a des mandataires à 25 ans. Et là, c'est là qu'on a congoté. Bah, on comprend la vision chef de bah, on a la surpris. Les chefs ont besoin à changer classe politique. Nous, on a des libi ou n'a pas qu'il on va détruire beaucoup pendant des décennies. Alors, bien, on jour à un bâti, bah, jeune n'a pas eu du peuple. Il a encouragé les jeunes. Bon, postuler, mêlé. Pour aller l'hémicycle, pour défendre mes dirigeants, ma chaîne. Il avait dit ça dans le palais du peuple. C'est pour vous dire qu'il a une vision avec la jeunesse pour le Congo. Bah, vieux, on a besoin de surpris.
Mais est-ce que toto na compte à peine à 4 on a côté la non on peut ba jeune na côté la ba jeune wa yo mwana mboko zaliawa o pesa ya no wana ba jeune ba yo ba yoka ba jeune ba décrier que ezali na ba ministre oyo ba zali ko permettre été ba jeune entrepreneuriat de jeunes et développé té ba tanga ki ba combo ezali na ba ministre oyo ba zali ko pekisa ba investisseur ba ya na mboka na biso ba tanga ki ba combo ezali na ba ministre oyo soki investisseur ayé na mboka na biso ayé ko investir na mboka na biso lobi ke na ko investir peut-être budget na ezali ya $200,000 ministre lobi par nanga ezali combien ba dénoncer bango et plus grave. Et ça lui la ministre et jeunesse oyo asali ko kokape musala te batanga ki yango e pa ya mwana mboka don Israël une fois peto ko yambaye awa ataka detaye ki yango noir sur blanc mais ba ministre wana ba ezali reconduit et ministre et jeunesse azui a révoqué président du conseil national ya jeunesse mwana mboka William Mukambila a révoqué ye président malgré tout ayoka ki ba doléance nso ba jeune azui azomisi mwana mboka ministre ya jeunesse est-ce que président pa azali ko taper na mwa distraction ya ba ministre na yete na ina na ba par rapport ya mwana mboka le bijili ministre ya jeunesse non moi j'étais Yves Bunkulu. Au palais du peuple, ces jours-là, il y a eu une manipulation. Yves Bunkulu, on peut tout dire, mais il travaille bien pour la jeunesse congolaise. Il vient de créer service Mokona pour l'entrepreneuriat des jeunes. Oh, ça a un projet na yo qui va financer yo au sali musala. Au moment où on a fait des mingi, au moment où on a détérioré les camions na mboka, on sera lingé à nourrir yo, à quoi utiliser moins 20-30 personnes pour nourrir yo. Moi, je suis à côté de la montée. Pour Yves Bunkulu, la paix, ça a 10 francs. Mais c'est un monsieur qui travaille bien dans le ministère, dans le secteur. J'en connais quelque chose par rapport à Moussa Salawara. Vous comprenez? Sauf que le détracteur, il va lui devant le chef de l'État, va manipuler quelques jeunes, va crier sur lui. Chef de l'État, il va lui dire, mais or, Yves Bunkulu, il va lui dire, là, je vous rassure, il va lui dire, à côté de la montée. Il est le ministre Oyo. Bazo excellent dans Moussa Salawana. Contrairement au ministre Moussou, c'est vrai. Il y a d'autres ministres Oyo, Bazo sa qui soit chef de l'État. Il y a des investisseurs Baoya Ao. Pour investir, c'est un pourcentage. Na beto li solo papa. Tout ça qui na limité tout vendre qui. J'étais avec des jeunes tout partager bani. J'ai vu un monsieur qui est venu à une Jeep moko qui tiona à Benga Chebou, na yepa na ye. Ce monsieur, c'est un Congolais. Il est parmi Batou Oyo, Bazo dra ba pap line. Il y a pétrole dans l'océan, na compte ya Angola, mais il est congolais. Aye ko yebi sangai soto ko faciliter à coûter na président de la République parce qu'il y a un projet moko pona makamba pétrole ya Congo. Tout ingénieur langue tout solola na ye tout tangola na ye président kuta na ye la première fois ma pèse 5 minutes président accorda 30 minutes. Cela veut dire que le président avait trouvé intérêt à Mbassou Laguinaye. A PC, deuxième rendez-vous, 45 minutes. A PC, en charge, à conseiller Naye. En charge, soit en matière à Nimiwana. Bah, a PC, rapport. Je vous dis, c'est grave, pas congolais. Le chef est mal entouré. Ces messieurs-là, bah, ben, bah, toi, Perenko, bah, corrompre, il y a $150,000. Atika dossier. Information vraie, c'est moi, Nayamba et Moutoua. À l'accent de la photo, à Téléman Edouard Dos Santos, à Joao Lorenzo. Aïe, un projet pour aider Congo. Alors, Aïe, c'est mon frère. Aujourd'hui, actuellement, ils ont miné de pétrole. Même si l'économie en Nigeria, c'est ça pétrole. Pétrole, tout à fait. Pétrole. Aïe, un projet où alors, on pouvait engager même 2000 jeunes. Bah, une formation libre Namboka. Bah, nous travaillons sur ça. Un projet pour la jeunesse congolaise. Mais voilà, Batou Bazo entouré chef de l'État. C'est Messie Azonga. Allez-y comprendre. Batou Bazo entouré chef de l'État. C'est ça l'inconscience dont j'ai fait allusion ici. Donc les gens qui travaillent pour leurs intérêts. Bataperon et Perico, on va corrompre Bango pour finir le projet. Revenons à Mambocho Loba Awa par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Même moi, j'avais suivi, mais c'est moi ça avec une belle démonstration devant les chefs de l'État. Toujours Bakar, bah ministre on a toujours. Pour aller ni intérêt dans la catégorie. Voilà le chef de l'État. Quand vous dirigez,
sans suivi, sans sanction, il y a qui résistent malam et le Congo est en il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Les ministres se permettent de tout faire. Intérêt, il y a un qui est à privilégier l'intérêt. Nous avons investisseurs qui paient un montant de pourcentage dans le capital. C'est ce qui se fait dans notre pays. Ah, on a besoin qui nous a investi, mais bon, bien investisseur. Ah, après, tu as dit que mon été pour nous foutre à fonctionnaire. Allez, je comprends, papa. Il y a un autre qui dit ça. Ah, ouais, le chef de l'État seul ne paie rien. C'est ce que je vous dis. Peu importe sa bonne volonté, il faudra que tout comprendre le Rwanda. Pour les chefs, alors dans la police, alors dans le ministère, alors dans les collaborateurs, c'est à ces collaborateurs-là que c'est la même vision chef de l'État. Est-ce que Dali peut aucun effet na choix à président parce que président peut être dans la liste étant moyaka président Dali qui est oyo a nommé quand même et ça peut être na bato mususu bayaka bon a moni pété azu a nommé bimi na journal officiel est-ce que président yemo ko pété à cause ba choix judiciaire pour na bato oyo bazali sûr pour na sala musala malamu et surtout nan parce que président de la République et Dali peut na ba conseiller embelé bazali ko freiner ba dossier ba congolais belé bazali collé là ba dossier ezali na ba bureau ya ba conseiller ezali freiné est-ce que enyo soana président yemo ko sala ba choix judiciaire surtout na nous na carte ya présidence de la république mais c'est les journalistes c'est ça la difficulté yebisanga ko sala choix judiciaire sur base ya quoi ya quel critère parce que la moralité ezala ka visible na ezala visible ta le président peut statuer sur base ya tirisus na yo à mon que Mouto a ma casse dans le domaine terre. Mais sur le plan moralité, il y a des mon ami. C'est ça le problème. Le président Monique Kirisus, il y a Mouto a reporté, il y a une main forte dans le secteur terre. A Tchéouana, il y a Komiouana, il y a une mafie. C'est ce que le président a dit. Ce qui est vrai, le président est mal entouré. C'est vrai. C'est un secret de polichinelle. Beaucoup de conseillers, pas des chefs de l'État, sont des mafieux. Beaucoup de ministres sont des mafieux. Je pense à l'émission prochaine de cité comme on va ça que l'autre. Parce que nous avons pensé que il y a qui autour de chef de l'État pour aider, mais il y a pas qu'on finit sa poche na bango. Des premiers détourneurs ne bango. Bayewana et chef de l'État loyauté bande de voleurs. Fachi béton. Et j'ai vu un autre monsieur qui nous disait en son temps je suis kabiliste du sang. Il a commis fasciste. Et pas obéi, fasciste. Et puis, comment on a Ezali Pena, kabiliste, et Bele, ou a commis fasciste, plus que même tu as une épaisse, ou je vous dis, au monnaie, on a commis plus fasciste que même combattant une épaisse. Allez-y comprendre. Des flatteurs, ou on a. Opportuniste politique. On te dit, ah ouais, on a commis ton politicien, tu as un ventriote. Moussousou, abouline, la partie politique, naïe. Ba nomeye a comme jo ba naye a sinema ba DG ya mais ali pe ko sa ali pe ko sa ya ba to bunana na ka chani ya mon ni lo ba gene na binga ba gene ba bimana ba parti politique wana ba ole ça est mais ba ko bimana parti politique ndenge nini parce que lelo oyo gene nyos na mutu na ye bi ke pona zala na vivre bien na zo mbongo na tambola na voiture na sala bo evi na nga malamu il faut kaka na za na parti politique pona zo mo poste lelo le chef de l'état a compris ça a sengi na ba gene ba s'organiser na ba mouvement associatif chef yemo ka sengi na ba gene parce qu'il a compris que ba chef ba parti politique ba égoïste a postulé Cyprien moi à Liboso deuxième Cyprien moi né à Mibali. Mais maintenant, par collaborateur aux autres travaillent dans Bango. À quand on va se retrouver? C'est ça le problème. Les chefs à Sengi n'a pas gêne. Bas se constitué dans un groupe associatif. À quoi aider Bango? Il avait dit ça. Bas gêne, même dans la partie politique à Malet ouana. Parce que leurs intérêts pour les athées. Bas on se servir dans ma brouette. Tant qu'on va comme ministre et comme ma famille n'a pas de baillet pour recommander Bango. Tout le monde a l'élo et salama. Beaucoup de jeunes, bas on l'élo.
Mais ça pas bouya ki mayo. Ils ont peur auto iko mona na kata union sacrée ka komona presidium o ezali nan ko kumba na na lesi tête ba tête amini ya minene wana et puna bande ko mususu oyo lelo ba sali trop to kotanga ba kombo ba Julien Paluku to kobanga lo côté ba sali trop ba Jean Lucien Boussa ba sali mingi ba za toujours wana akon ba jeune ba kosoba ba poste na kata ya mboka o yango na ebisu yo le président et a compris cela. Dans le gouvernement, il y a Ilunkamba. Il y avait combien de jeunes? Même le PPRD a été surpris. Tant qu'il y a trois noms dans chaque ministère, le président a choisi les jeunes dans l'IDPS. Entre autres, Papi Wana, ou le président de la Ligue des jeunes à PPRD. Le loi a commis directeur au GFREM. Allez-y comprendre. C'est le choix du président. Le président Yebi. Il y a un autre Awa, ces vieux seront surpris en 2024. Félix a promouvoir la jeunesse. Il y a un moment où la preuve est là. Tant qu'il y a un ministère, tant qu'il y a un mandataire, il y a des jeunes. Or, depuis l'époque de Mobutu, tu ne trouveras jamais jeune être ministre. Tu ne trouveras jamais jeune être mandataire. Qu'on se le dise. Depuis Mobutu, jeune n'est pas un ministre. Ou pas un mandataire. C'est avec Tshisekedi. J'ai vu un bourgmestre à 20 ans. Tout à fait. Bourgmestre. J'ai vu un DG, 23 ans. Il y a Sokimo. Il a à peine 21 d'années. Chose on a commencé à la matin. C'est pour vous dire, c'est vieux. Ben, le président m'a monté. Je suis dit, madame. Ils seront surpris. Tant qu'on a la banque. Soit à juin 2024. Tant qu'on a la liste de la partie politique. On a la choix de la jeune partie de la banque. Ben, vivre au-dessus de la banque de touche. Retenez ce que je vous dis. Voilà, tous allez qu'on commence un peu souka et émission la mission déjà. Tu commences un peu colobelata na une minute ma ponami yangoyo. Tu l'as dit qui présidium na stade de martyr. Le président Bosso a rassuré que na le 20 décembre élection est allée. Alors les lo oyo, bah Congolais bah oui qu'on s'attendre nini na élection il y a le 20 décembre 2023. Mais le choix est clair. Candidat à peuple de Félix Tshisekedi. Yo momo ni mutu opposition na comme ma président na Congo. L'opposition wana. Mais ba za tête bazali ya tozali na mona mboka Martin Fayulu, Delice Sanga, Moïse Katumbi et nani lesusu. Bazali quand même, bazali. Tous ces conglomérats d'aventuriers, l'air passé pour rattraper bango. C'est le problème. Moïse a dirigé Katanga pendant 12 ans, à Salani. A teka na makala. Atekana fufu et mouta ou pese mbo mbo kao bonjour Fayulu opposition et zolou kaka voix mon corps et bibi sa gouverneur na ville à Kinshasa a pesa peperne Delice Sanga a pris les armes a mou mba congolais na partie est il l'a commis donneur de leçon matata poni a sa la contention na justice 85 millions ba congolais bungi et kewa a l'ONU Masangu et boti ba université na Kindu. Et ces gens ont confiance. Non, papa. Les Congolais ont compris. Il n'y a qu'un seul candidat. Le candidat à peuple. C'est Félix Tshisekedi. Le peuple va comprendre. Voilà au moins Moutou Oazo a un souci dans le Yéwana. Je vous dis, on les a conglomérés aventuriers. Bien qu'ils soient soutenus par les impérialistes. Mais bah, vous essayez poussière. La preuve est dans le stade. On a un carton plein. C'est la première fois la meeting, il y a meeting politique, stade refoulé partout. Toi et moi, tu as une place au coin, tu zongi, tu es les milibana. Et refoulé, c'est la première fois. Vous comprenez? Mais tu vas attendre Nini. Tu es déjà. Aïe, bien sûr que l'élection et pour ça la main, tu serais d'ici là sera relié encore au chef de l'État. Pour accomplir sa vision pour abonner la peuple congolais. C'est ce que nous attendons en 2024. Voilà, c'est ce que nous au niveau présidentiel. Mais au niveau législatif, Monique Ozali témoin mon amboka que législatif y a tout royo et ça dit mon sala en faveur de la population. Alors, tu as s'attendre à la législative où Ozali Koya. Non, il faut comprendre que le législatif a tout le temps confronté à un problème ébélé. Tu sais que dans le pouvoir, à ça le gouvernement, pas Covid et Bimi. Et ça, crise mondiale, papa. C'est la première fois en France, tout le monde, mais tout cas, la police, ils ont dit qu'il y a un syndicat. En France. Aujourd'hui, crise, il y a Ukraine, en Russie. Mais il faut féliciter quand même, mon amboka, Félix, qui est dans le gouvernement, il y a quand même, il y a un cap. Crise mondiale, il y a un Congo,
Mais dis-moi, Congo est réussi quand même avec la politique y a Tshisekedi y a Malamu y a gestion Malamu quand même qu'on tenir quand même. Mais toujours espérer qu'en 2024 le président a quoi attaquer maintenant la société peuple congolais. Tenir y a moins les autres préoccupés beaucoup plus peuple congolais. C'est ça les âges sociaux. Mais maintenant bon c'est un social. Social et l'immobilier battait que tout le monde dans le côté bleu on a balabala. Ils ont battu au bas ça la remise ça. Parce que les lots par exemple na JIA va augmenter encore salaire va fonctionner. Ça fait partie à social à congolais. C'est ça le problème. Moi, je pense que Tshisekedi a un souci avec les Congolais. Parce que dans son programme, à chaque l'homme au centre de ses actions, il y a un moment où il y a un peu de DG, il y a un mandataire, il y a un problème, il y a un social qui va travailler avec eux. Parce qu'il y a un social qui va vivre mal. Il y a un cheval de bataille en 2024. Parce qu'il est confronté à la guerre à l'Est, il fallait mettre fin à un peu de budget dans la guerre, il y a un budget à la guerre, il y a un coûté. Mais je pense que cette fois-ci, budget à Moka et aux amis orientés dans la société peuple congolais. Peuple congolais, aux Malama, Apolia, Malamu, comme à l'Ingapolia, avec la politique président qui n'a le président a boya qui ba solution moko palliative. Vous comprenez? A l'Ingapolia, ba solution définitive. C'est quoi la solution? Il fallait qu'on relie la grande ville à Moka par la voie routière et permettre du local du Maraba centre et le centre de consommation. Vous comprenez? Parce que si on va relier la ville à Nadiso, Moutou Kézo Outa, Goma et Kiti, Boutem et Kiti, et moi qui bloque Okita. Lo Madesu, ils ont moyen zéro na Goma. Ngombe, ils ont moyen zéro. Mais tant que vous reliez la ville ouana par les voies routières et qu'on permette à Biloko quitter la Congo, parce que nous consommons presque 70%. Il y a Bissomogo, Foufé Outara, Massango, Biloko Outara. Donc voilà un peu la politique à président. Il y a un bon lit à initier le programme à 145 territoires. C'est pour relier nos territoires par les voies routières et permettre les locaux et outikuna et bien facilement pour peuple aller mal. Voilà, moi n'amboka merci Mingi au côté la caméra na 30 secondes message nini au lancer na bande ko nyonso oyo balandio bande ko nyonso oyo ba tie espoir na koyoka yo dans 30 secondes au côté la caméra au lancer message na population congolaise nyonso mingi na sengaka la jeunesse congolaise babi manaka ta ba distraction. Parce que l'élo, la jeunesse congolaise, ils ont abandonné à cause y a inconscience na bango. Que les jeunes s'organisent na ba mouvement associatif, va faire entendre aussi leur voix. Parce que na ko initier le komoko, votons jeunes na ba élection à Touro. Les jeunes va voter ba jeunes. Parce que nous avons à voter ses papas, ba cela ma bougou na bango, ba famille na bango. L'air est venu maintenant la jeunesse et soit relève. Nous devons changer la classe politique y a Congo y a tout haut. Nous devons voter. Toko ça la campagne moko pour na ko ça la keto promouvoir aux alliés jeunesse na ben élection tout haut législatif na provincial que les jeunes votent les jeunes. Ba père va voter ba père. Toute la bande de la majoritaire na ba assemblée provinciale na ba assemblée nationale wana. Parce que trop c'est trop. Parce que nous avons besoin de jeunesse. Parce que la jeunesse ils allent à venir y a lobby à Moka. C'est vieux. Bah ça déjà trop, bah trahir Mboka au trop, bah lier na Mobutu, bah lier na Kabila le père, Kabila fils, bah est sous na Fati. À quand ils sont bah jeunes qu'on s'est retrouvé, parce que tout le peuple Mboka au. À quand? Voilà pourquoi tous ces nos jeunesse, bon téléma, bon à qu'on rejoigne le bus sur le mouvement tout ça là, pour tout téléma ça bénéle, pour jeunesse lobby à s'appeler place naie, à s'imposer pour la politique active, y a Mboka na bisou. Voilà ce que je veux vous montrer Mboka et c'est mes alliés au partager na yo numéro oyo en tout cas maintenant nos mingi ezali mbala ya sukate porte ezali grandement ouverte à wana Congo Live Télévision ezali wabino les sénateurs Marseille na dirijaka mouvement ba ya ba jeune oyo ba sénat debout c'est moi qui suis leur président tout sangana ka to pesa na mayele pour na mayimatali Mboka na biso je pense à la prochaine to komuna na lisusu to ko partager mayimatali Mboka na biso. Merci, bye bye. Voilà, et c'est mon ami Mingi à Wokuta Nabino et repartager Nabino numéro Oyo. Tu allez toujours continuer Congo Live Télévision au cœur de l'information. Tu allez toujours en apprendre à servir Bino. Tu allez toujours en apprendre à servir Bino. Tu allez toujours en apprendre à servir Bino.